Allez. C'est piqué, tu sais comme moi ce que ça veut dire. Ouais, c'est la limite d'un sanctuaire. Pourquoi? Oh, des tombes. Les Indiens, par superstition, pensent que leurs ancêtres sont enterrés là-dessous. Ils l'ont appelé la montagne des morts. Une sorte de cimetière sacré, quoi. Hein? Ouais, je crois qu'on pourrait dire ça. Et les Indiens n'oseraient jamais le traverser. Hé, hey, attends une minute, t'as pas l'intention de traverser non plus? Tu parles que je vais y aller. Sanctuaire ou pas sanctuaire, c'est le meilleur terrain de trappe de toute la région du Missouri. Les trappeurs ont passé les lignes. Ils ont profané la montagne. Ils ont eu la punition. Nous ne sommes pas venus pour prendre des scalps, mais pour trouver l'esprit de la femme du bison blanc. Taco, tu es mon fils, mais je te demande d'aller sur la place de la pierre défendue pour y chercher l'esprit. Si mon frère doit aller au-delà de la pierre défendue, je demande à y aller avec lui, père. Vous savez que vous rencontrerez la mort. Nous savons, père. D'accord. Tojika, par ce gage de mes connaissances, l'esprit de la femme vous reconnaîtra, mes fils. Vous devrez la ramener. Notre survie en dépend, père. Laissons les lances rappeler aux autres le danger de profaner ces lieux. Dangereux. Il y a une chose que j'oublie. Nous devons nourrir le bétail, arranger des barrières. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est dangereux? Maintenant, c'est comme si Yorktown, Bunker Hill et Valley Forge étaient soudain dans le même sac. Je n'arrive pas à faire monter l'eau dans la section nord. Je le répète encore une fois, ce n'est pas le moment de faire un voyage à Nevada City. Pas Marc des points. C'est le seul moment. Si je ne vois pas Ira Fairbanks cette fois-ci, qui sait quand j'aurai la chance de voir ce plein avant? Une chose est sûre, quand Adam parle comme ça, c'est lui qui gagne. Tu sais aussi bien que moi que nous devons faire une tournée d'inspection. Mais toi, tu parles de moulins à vent. Oui, des moulins à vent. Et toi, tu sais aussi bien que moi qu'il faudrait un miracle pour faire remonter l'eau jusqu'à la section nord et que seuls les moulins de Fairbanks peuvent le réaliser. Fairbanks et ses moulins. Cet homme ne détient qu'une théorie. On ne sait rien de lui, ni de sa réputation. Et tu nous laisserais tomber pour courir derrière ce bonhomme qui est probablement timbré. Timbré? Oui, timbré. Il y a longtemps de ça, un homme se rendait ridicule parce qu'il battait le coton pour en détacher les graines. Son nom, c'était Whitney. On pensait qu'il était timbré, lui aussi. Et on a dit la même chose d'un dénommé Watt, jusqu'à ce que sa machine à vapeur rentre dans l'histoire. Et même avant ça, un homme a osé penser que la Terre était ronde. Il en manque un, je crois. Ah oui? Eh bien, entre les deux derniers hommes que tu as mentionnés se trouvait un personnage qui passait son temps à rechercher des moulins à vent. Un personnage appelé Don Quichotte. Et lui, c'était un timbré.
toi et ton éducation. L'éducation, c'est le progrès, et tu trouves à redire quelque chose là aussi. Je ne critiquerai jamais l'éducation, mais faut pas qu'elle intervienne dans mes idées. Très bien. Reviens dès que tu le pourras. Merci pas. Hé, Adam, où tu vas? Belle journée pour une promenade. C'est pas vrai. J'aurais parié que tu aurais gagné ton point. Moulin avant. Je crois qu'il est à peu près temps que quelqu'un s'en occupe. Mes paroles. Descendez. Salut à toi, pas. Je porte le symbole des Shishaoni et le savoir du grand chaman, mon père. Notre peuple meurt de maladie. Nous avons besoin de tes connaissances. Mon savoir ne peut aider vos frères. Il n'y a rien que je puisse faire pour vous. J'ai déjà offert ma vie en sacrifice. Mon peuple attend. Je suis désolé. J'ai promis de vous ramener. Blanche, tu es réelle, comme celle de mon peuple, comme les jeunes squaws de notre tribu. Assez, vous ne devez pas faire ça. Je vous interdis de me toucher. Quand je te touche, je sens la vie. Mon père ne me croira pas. Mais je me moque de votre père. Laissez-moi en paix. Il faut que je te ramène à mon père. Il doit se rendre compte que tu n'es rien qu'une squaw blanche. Ou que tu ne peux pas aider les Shishaoni, et que ta présence dans la montagne des morts est une honte et une profanation. Lâchez-moi! Je n'ai que faire de vos superstitions, ça ne m'intéresse pas. Je sais ce qui va arriver si vous m'emmenez. Vous allez me tuer! Je vais vous tuer ici, maintenant. Arrêtez! Posez ça par terre! Thank you.
Qui êtes-vous? Aidez-moi. Revenez. Qui êtes-vous? Je ne vous veux pas de mal. Vous seriez sans doute mort de soif si je n'étais pas revenu. Dites, allez-vous me dire qui vous êtes? On m'appelle Femme du Bison Blanc. La femme du bison blanc. La femme esprit de la légende des plaines indiennes. J'espère que vous savez ce que vous faites. Ne bougez pas. Le grand guerrier blanc. Quelqu'un ici?
Olaf Halvorsen. Né en 1810. Bergen, Norvège. Marié à Elisabeth Carr Bridgeport, Connecticut, 1838. Une fille, Ruth, née le 3 août 1840. Épouse décédée, 1846. Le 14 juillet, nous quittons Saint-Joël au matin. Les soldats nous avertissent que la saison est trop avancée pour partir, mais père n'en tient pas compte. Cela ne l'effraie pas, car chez lui, en Norvège, il était habitué aux durs hivers et à la rigueur des montagnes. Octobre le 8. Notre essieu est brisé et père nous a quittés hier dans la matinée et il n'est pas de retour. Il fait froid et nous pouvons entendre le hurlement des loups. Cette lame vous aurait transpercé dans la demeure de Banuk. Et dans la demeure de... Ruth Halvorsen? Vous savez comment je me nomme? La femme du bison blanc est un mythe. Mais Ruth Halvorsen est ou a été réelle. Dors. Rappelez-vous une chose. Vous êtes ici parce que vous m'avez protégé. Restez jusqu'à ce que vous soyez rétabli. Mais gardez vos distances ou j'oublierai que je vous dois quelque chose. En d'autres mots, bienvenue. Je vois qu'en plus de tout ce que vous avez accompli, vous excellez dans l'art de la trappe. J'échange des peaux contre des vives. Je suis très connaisseur en belles peaux. Je peux vous aider? En attendant que je puisse repartir, il va falloir que vous me supportiez. Alors, il n'y a aucune raison pour que nous puissions essayer de faire un effort pour nous entendre. Comment? On pourrait commencer par Ruth Halvorsen. Ruth Halvorsen était une enfant. Qu'est-il arrivé après que votre père ait quitté le chariot? Je ne l'ai jamais revu. Au printemps, des Banuks qui chassaient m'ont ramassé. Ils m'ont amené dans leur village. J'ai été élevée par leurs femmes jusqu'à l'arrivée des trappeurs, des meurtriers. Ils voulaient nos fourrures. Comme on refusait, ils ont attaqué. Et tous les braves, les femmes et les enfants ont été tués. J'ai marché jusqu'ici, la montagne des morts. Un Shoshone m'a aperçu. Il est allé dire à son peuple qu'il avait vu la femme du bison blanc sortir d'une tombe. Je suis la grande femme esprit. Jusqu'à ce jour, il m'avait laissé vivre en paix ici. Je m'étais fait un monde pour y vivre ma vie. Ruth, la seule vie qu'une femme comme vous puisse vivre, c'est avec ses semblables. Depuis que les Banuks sont morts, je n'ai plus de semblables. Chaman. Où sont mes fils? On a attendu à la place de la pierre défendue, mais aucun signal de Dako ou Toika. Ils devraient être de retour maintenant, à moins que... Mes fils ont échoué. Mais peut-être que là où des fils échouent, le père peut réussir. Au
petit jour, j'irai chercher mes fils. Nous partirons avec toi, chaman. Et dire qu'ils appellent ça la montagne des morts. Que voulez-vous ? Rien. Rien de spécial. Y a-t-il quelque chose qui ne va pas? Non, je vous assure que tout va très bien. C'est très joli ici. Qu'est-ce que vous voulez exactement? Eh bien, il y avait un rasoir avec votre Bible et... Eh bien, j'attendrai. Pourquoi voulez-vous le rasoir? Pour me raser. Vous raser? Eh bien, vous ne vous souvenez peut-être pas, c'est que la plupart des hommes ont de la barbe. Par exemple... J'ai compris. Je me souviens d'avoir vu mon père se raser. Je vais aller vous le chercher. Non, ça ne presse pas. Quelque chose vous tracasse? Qu'est-ce que c'est? Mon éducation a devancé ma pensée pendant une minute. Mais tout va très bien. Eh, pas. C'est drôle, le cheval d'Adam est revenu. Qu'est-ce que tu racontes? Oui, même qu'il a toujours la selle sur le dos. Je ne trouve aucune marque, pas. Non, rien du tout. Le cheval a l'air d'être en bon état. Ouais. Ça fait même un moment qu'il n'a pas été monté. Je crois que... qu'Adam a dû en descendre pour boire. Voyons, pas, il n'aurait jamais fait ça. Pas, je pense qu'on devrait partir à sa recherche. Joe, va chercher des provisions. D'accord, pas. Os. Selle des chevaux. Prends-en un en plus. Hein. Mon père avait une grande bande de cuir pour aiguiser le rasoir. Est-ce qu'il coupe? Un peu. Faut quand même l'aiguiser. Ou alors la barbe va pousser jusque-là. Certains laissent leur barbe grandir, mais d'autres la rasent de près. Ouch. Je pense que vous feriez mieux de laisser pousser la barbe jusqu'ici. Vous savez, je crois que c'est ce que je vais faire. Vous avez un sourire ravissant. Oh. Eh bien, vous en avez fait assez. Je peux finir. C'est pas si mal. Naturellement, je suis pas très ingénieux. Oh, laissez-moi vous aider. Si vous voulez. Asseyez-vous. Bâtir un toit sur une seule jambe. J'essaie de payer mon écho. Pas avec une blessure comme ça. Vous savez ce que votre prénom veut dire? Quoi donc? Ruth. Veut dire compassion. Pitié.
Jusqu'à maintenant, je l'aurais jamais cru. Votre blessure s'est refermée. Vous pouvez vous en aller. Pourquoi avez-vous peur de moi? Je n'ai peur de personne. Ruth. Vous oubliez ceci. Non. Est-ce que tu veux te faire anéantir par la magie de la femme du bison blanc, comme l'ont été mes fils? Son pouvoir est plus grand que la connaissance de Shoshone. C'est pourquoi il faut la ramener avec nous. Elle seule peut sauver notre peuple de la malédiction. Tu vois? Koska, trouvez son camp et ramenez-la moi. Et ainsi, l'homme de Bethléem et Judas partirent séjourner dans la contrée de Maurice. Lui, sa femme et ses deux fils. Vous lisez très bien. Ancien Testament, l'histoire de Ruth. Comme vous, Elle était partie dans un étrange pays. Et le nom de cet homme était... Emmanuel. Et le nom de sa femme, Léomé. Et jure-moi de ne me quitter jamais. De ne me quitter jamais, de me suivre jusqu'à la fin. Je me souviens encore. Mon père me lisait ces versets. Cette partie de ma vie est morte avec lui. Finissez ce verset. Où que tu restes, je resterai. Et où que tu ailles, je te suivrai. Et ton peuple deviendra mon peuple. Et ton Dieu, mon Dieu. Ruth, repartez avec moi. Partir? Où? Auprès des vôtres. Laissez la femme du bison blanc demeurer une légende du passé. J'ai trouvé la paix ici. Ce n'est pas la paix que vous avez trouvée. C'est simplement un moyen de cacher votre peur de voir les choses en face. Qu'est-ce que votre monde pourrait m'apporter que je ne pourrais trouver ici? La part qui vous reviendrait. Je n'ai vu que de la méchanceté chez les gens qui me ressemblent. Non, Ruth. Ce cimetière ne peut être le seul endroit où vous puissiez vivre. C'est impossible. Pourquoi impossible? Parce que vous êtes seul au monde. Comprenez-moi. J'ai un père plus têtu qu'une mule et deux frères encore plus têtus que lui. Pour moi, c'est la maison. L'unique endroit où l'on peut vivre. Je suis bien seule. Je n'ai besoin de personne. Dans cette montagne, vous êtes une légende. Et une légende n'est guère qu'une épitaphe. Dans le monde, là-bas, on ne se sent pas seul. Musique, bruit, du chant et des rires. Je ne vous demande qu'un peu de confiance. Et je m'occuperai du reste. Ruth. Revenez avec moi. Non, je ne peux pas. Ruth, arrêtez de vous faire du mal. Pour une fois, regardez la vie en face et maintenant. Attends. Laissez-moi seule. Dites-moi, Ruth, dites-moi donc, qu'est-il arrivé exactement? Deux de ces hommes m'ont prise. Et fatiguée, je suis tombée. Ils étaient là, qui riaient. Ils m'ont maîtrisée et l'un d'eux m'a fait du mal. Un homme affreux. Je serre dans ma main son poignard. Je frappe. Maintenant, vous pouvez l'oublier. Thank you.
Chacto, chaman des Shishani, te salue. Avec respect. J'accepte ton salut, Chacto. Mais pas ta présence ici, avec tes guerriers. Seul le grand esprit de la femme du bison blanc peut vaincre la malédiction qui s'est abattue sur nous. Mon cœur pleure pour ton peuple. Mais la femme du bison blanc doit rester ici, avec les cendres du passé. Les cendres du passé, ou les mensonges de l'homme blanc. Pour la femme esprit, Chacto, tous les hommes sont des frères égaux. C'est à moi de juger lequel est le bienvenu dans la montagne du sanctuaire. Vous allez m'obéir. Quittez le sanctuaire. Ça devient dangereux. Je partirai pas sans vous. Attends, ne comprenez-vous pas qu'ils vous tueront? Je ne partirai pas sans vous. Alors nous trouverons le moyen de nous sauver, tous les deux. Reste ici, surveille. Quand l'homme blanc sera seul, prenez-le, vivant. Alors elle écoutera mes paroles, ou elle le verra mourir. Mon Dieu, accepte ces âmes en ton paradis. Puissent-ils reposer en paix jusqu'au jugement dernier. Amen. Il y a tout lieu de croire qu'Adam est passé par là. Mais il n'a certainement pas subi le même sort que les deux autres trappeurs. Pas où penses-tu qu'il aurait pu aller? Il a dû se réfugier dans la montagne. Adam ne ferait jamais une ânerie pareille. Peut-être qu'il n'a pas eu le choix. Eh bien, on ne le trouvera pas en restant planté ici. Je pensais que tu étais endormi. N'as-tu jamais entendu parler de la mouche et de l'araignée? Maintenant, je sais exactement pourquoi on m'appelle Adam. Mes parents ont dû penser que je devrais un jour vivre au paradis terrestre. Je me demande s'ils ont imaginé que j'existerais. Ainsi que les Shishani. Ruth. Nous partirons cette nuit. Avant, j'aimerais que tu acceptes ça. Quand un homme veut garder une femme pour lui, il lui offre une bague. Et aussi longtemps qu'elle porte cette bague, ils sont unis l'un à l'autre. Adam, je deviendrai ta femme. Je t'aime de tout mon cœur. Aime, honore et obéis. Je crois que j'aime beaucoup le dernier mot. Le dernier mot, Monsieur Cartwright? Nous en discuterons quand je reviendrai. C'est le plus beau jour de ma vie. Ah.
tôt. Quelque chose qui tombe pas rond. Il ne reste plus qu'une seule chose. Revenir à l'endroit où on a enterré les trappeurs. Et tout recommencer. Quitte à tourner tous les rochers à l'envers s'il le faut. Dois-je aller chercher la femme esprit? Non, Koska. La femme esprit doit venir vers nous de plein gré. Elle ne viendra pas ici. Elle viendra pour vous. Ça ne marchera jamais. Vous n'avez pas le bon appât. Elle est ici. Ruth, va-t'en de là! Vous osez violer les lieux sacrés de la femme du bison blanc? Tu ne voulais pas entendre mes paroles. Et cet homme? Est-ce que les Shoshonis se battent contre les blessés? Mon peuple doit avoir les connaissances de la femme esprit, ou il mourra. Et l'homme blanc? Il mourra, si tu ne viens pas avec nous. Laissez-le en paix, ou vous mourrez maintenant par la main de la femme du bison blanc. Alors détruisez-nous là. Nous ne pouvons pas entrer sans vous. Mon peuple a besoin de vous. Ruth, non! Arrêtez! Épargnez sa vie. Et vous aurez les connaissances de la femme du bison blanc. Laissez-le partir. Je ne te laisserai pas faire ça! Ruth! Ruth! Je t'en prie! Non! Cours! Cours! Sauve-toi! Cours! Tu restes, je resterai. Je suis prête, Shaman. Quand nous serons au-delà de la montagne des morts, mettez-le dans le camp de la femme esprit, d'où il pourra alors partir vers son peuple. Je suis prête, Shaman. Nous devons nous hâter, femme esprit. Déjà, trop d'hommes de mon peuple sont tombés. Comme tes fils? Comme mes fils. Je ferai tout ce que je pourrai pour que les Shoshonis puissent vivre. Retourne-le. Doucement. Allez, doucement. Adam. Ruth. Calme-toi. Sacre bleu, Adam, on dirait que tu t'es bagarré avec un grizzly. Et s'est fait battre. Les Shoshonis ont pris Ruth. Qui? La fille qui m'a sauvé la vie. Elle habite là. Hein? Une fille ici? Fièvre. Je n'imagine rien, elle est réelle.
Elle s'appelle Ruth Halverson. Il y a une Bible dans son camp. Ah. Comment les Shoshonis ont pris cette dame? Ils pensent que c'est un esprit. La réincarnation d'un de leurs dieux. Ah, il faut que je la retrouve. Je dois la retrouver. Si vous essayez de m'arrêter, je vais vous rentrer dedans tous les deux. Pas? J'ai trouvé la Bible. Il y a un nom sur la page. À Olaf Halverson. Sa fille Ruth, née en 1840. Il y a quelque chose dans le livre qui marque une page. Je lui ai donné cette bague. Je voulais l'épouser. Elle a préféré la laisser pour te faire comprendre qu'elle voulait partir de son plein gré. Elle l'a fait pour sauver ma vie, c'est pourquoi je dois la retrouver. Si tu fais ça, tu signeras sûrement son arrêt de mort. C'est une femme, pas une femme esprit. Je pense que c'est vrai. Mais les Shoshonis la croient, esprit. Et si tu détruis cette croyance, tu la détruiras. En les détruisant du même coup. C'est vrai, Adam. S'il croit si fort en ses connaissances, peut-être bien qu'elle arrivera à les aider quand même. Bien. N'y pense plus maintenant, allons, viens. Un jour, peut-être. Préparez-nous quelque chose à manger.